Puis l'ordinature, une association qui propose la pratique de pleine nature, d'activités, on va dire variées, mais actuellement on se base surtout sur la pratique du handbike, handbike tout terrain, tout chemin. Voilà, notre objectif c'est de partager l'activité, partager avec les personnes en situation de handicap à travers des initiations, des découvertes, et puis aussi partager avec d'autres associations comme Mon Vélo Solidaire, qui propose les 10 heures des monts notamment, leur grand événement sur lesquels on s'est déjà associé, et des sorties comme là sur 4 jours avec 4 handbikes et un réseau d'accompagnement. C'est la route. On a bricolé des routes en tout terrain et puis là il y a des constructeurs qui ont fait du matériel spécifique et maintenant il est électrifié quoi. Ah, moi au début j'étais un peu puriste, je me disais ouais tu perds le terrain, le machin, et en fait je tournais toujours sur les deux circuits quoi parce que je pouvais pas m'en écarter. Hein. Alors que là ouais ça ouvre tout. Quoi. Et puis il y a d'autres handicaps aussi du coup, des gens un peu plus faibles, moins sportifs. Et puis c'est comme tout le monde, faut, là souvent nous comme c'est d'initiation, les gens découvrent en même temps le matériel. Et puis on a aussi des publics qui ne savent même pas faire du vélo, qui n'ont jamais fait de vélo. Donc il y a le passage de vitesse, la gestion du moteur. On est sur 3 roues, donc il y a les dévers. Ça fait pas mal de trucs à gérer, mais ça se découvre hein, au bout d'une demi-journée. Nous, on aime bien faire parcours d'initiation sur une demi-journée avec les gens, et puis après, on sait où ils peuvent aller. Quoi. Nous, là, sur ce qu'on a, ouais, il y a deux modèles suspendus. Donc, ouais. Comme d'habitude, il y a un modèle américain, alors là c'est le gros truc, suspendu avant-arrière, plus large, plus gros, plus puissant. Mais bon, plus cher. Descendre, enfin, il n'y a pas de souci, tu as les mains assez grandes. Voilà, essaye. Je pense qu'à 3 déjà il envoie bien, donc je pense que comme on va commencer doucement, tu vas naviguer d'autres. Ouais. Il y a 100 km. Non, enfin. 160. Ça va, Cédric? Ça va super, c'est chaud, ça va traverser. Tout va bien, c'est top. Rien cassé? Coupé ou tordu? Sympa.
paraît pas bon. Oh merde. Bah, réparation express. Ouais. On va voir le résultat. J'ai voulu suivre Georgie et voilà. Mais ouais, super beau parcours. Je pense que les handbikes ont dû s'amuser. Bien bon. Super. Vaut mieux celui-ci avec une sangle de plus. Tu sais, un truc comme ça. Si on met des sangles en plus. On va rouler. Puis on verra bien. On va essayer de terminer. On verra. On va attendre Jean-Mimi. Parce que le vieux. C'est bon? Après, trop près, faire attention. Il y a Nathalie qui m'avait demandé si on avait de la mousse. Vous êtes bien installé, c'est bon? Ça va, t'es prêt pour la journée? Impeccable, c'est parti! Let's go! Technique là, il y a deux petites marches sur des racines et on va venir doucement. Tranquille là, Simon. Hein. Pour sauter, ouais, directement t'atterris là-bas en bas. Non, on va les faire passer en mode ralenti vraiment. Là, tu penses? Ou ça va toucher, non? Ouais, t'es pas mal. Ça passe. Ouais, au top. Ça passe. Ah, bien. Easy. C'est bon. Ah, putain, mais ça passe de partout, c'est hallucinant, je suis impressionné. Mais tu passes avec la roue avant comme c'était ici, là, c'était parfait. Comme on fait les collègues. Moi je suis grosse. Et ça garde. Passe. Oh, ouais. T'as pas fait de bike? Non, je me suis arrêté avant. En avant, bien. Passe. Là, c'est bon. Ouais. Avance un peu. Avance Jean-Mimi. Wouh. Ah, passe large. Oui. Ouais. C'est bon. On essaye d'en remettre les roues. Putain, où? C'est chaud là. Et là on remonte. Ouais, ça va y aller tout seul. Hein. Tu vois comme ça? Ouais, en poussant. Regarde. Et là il va se mettre dessus. Si tu laisses glisser maintenant, laisse-le poser les roues. Attends, juste. Oh putain, les lions. Garde les roues. Garde les roues. Heureusement vous êtes là. Garde les roues droites. Ouais. Garde bien les roues droites. Comme ça. Allez, un petit coup de. Hey. Un petit coup d'accélère. Il en veut plus. Ouais. Hein. Il veut plus. Ouais. Il veut plus. Oh, putain. Excellent. Oh mon dieu. De l'organisation. Le chef, regarde, t'as vu la couleur? Ça passe comment là? Là, ça se passe bien, regarde, en plus, on est obligé de bosser ensemble pour passer des passages là. Donc c'est parfait. Deuxième journée. Deuxième journée, 22 km ce matin, avec un bon repas après à midi, hein, parce qu'il va falloir redonner des forces. Et Jean-Mi, il s'éclate avec son quadrix là-bas, il a le sourire toute la matinée, donc c'est parfait. C'est parfait. Regarde, on l'entend, regarde là-bas, voilà. Parfait. Passer sur la terre. Ouais, faut soulever, je pense, à fond. Non, faut pas soulever devant. C'est que moi avec mon petit dos je peux pas mal. C'est pas que je veux pas mais. Attends. J'ai. Je peux pousser. Non, c'est bon. Allez, attends. C'est bon, je le tiens. Ah, ah merde, il a percé là. On va aller quand même rouler là-bas. Non, on va allumer le pneu. C'est là, on a cassé ton câble de dérailleur. Câble de dérailleur, le pneu. T'as basculé. Ça va, j'ai tapé mais ça va. La première partie croix du bon, le matos il ramasse.
arrive, Saint-Michel? Eh ben, on peut pas passer là. C'est pas normal là? Ah ben non. Ils font des trucs anti-handicapés. Bah ben, oui, c'est dommage parce que. Ils font une rampe là. Ça nous permettait d'accéder en bas là, mais bon, voilà. Rien de grave, c'est bon. Tout va bien. Une belle expérience, un truc de malade. On n'a jamais fait de un truc comme ça. Heureusement qu'on était encadré par des gens sympas, des super mecs. Même Geoffrey. Ouais, qui dit que c'est toujours plat. Mais bon, en fait, bon, ça passe quoi. Et Ignacio, c'est notre réparateur, photographe. C'est comment... La grue aussi pour me sortir du talus. MacGyver. MacGyver. Ah ouais, c'est les nickel le handbike. Yes. Il disait que le rouge, il fonctionnait. Ah mais ouais, là. Il a, visiblement, il l'a réglé et du coup, ça. Faut que tu le réessayes. Ouais. J'entends le bruit en fait quand ça se lance. C'est t'entends le moteur qui se lance. Donc quand j'entends qu'il s'arrête, bah je m'arrête aussi, comme ça il se relance. Les épaules explosaient rapidement quoi. Ah ouais. Donc là en bike, ouais, je pense que à voir. Après ça dépend aussi des profils. Moi je préfère mettre plus de résistance et faire moins de tours. Oui. S'il n'y a pas de résistance, je vais plus me crever. On va pas parler mécanique alors, on a une super assistance humaine, plus qu'électrique d'ailleurs. Tiens, regarde l'assistance, des petites graines. La preuve. Là, dans un quart d'heure, on est... Ça va, hein. Ah, pas trop fatigué? Ça va, impeccable. Avec un bike qui fonctionne, ça va mieux. Grâce à ton bricolage, ça a tenu, c'est impeccable. Oh putain! Eh ben écoute, la matinée nickel. Le parcours totalement différent d'hier, mais... Plus roulant, ouais. Mais les paysages, ça change aussi. Encore une super matinée. Bravo à tous ceux qui ont poussé dans les montées parce qu'on en a eu besoin quand même. Impeccable, ouais. Heureusement que... Avec les câbles, les machins, les trucs, là, on risque pas de se sauver. Hein. On a passé une super matinée là, super. Troisième jour. Ouais. Fin de matinée superbe, soleil, beau parcours. Par contre, je sais pas si Geoffrey nous fait pas tourner autour de chez lui parce que je reconnais toujours les endroits les mêmes. Il y en a un pour moi, j'ai aussi le plateau de fromage et pour toi c'est le deuxième plateau. Il y avait qui d'autre au Paris 10? Ah ouais, c'est
C'est bon. Merci. Allez. Passe pas au milieu. Allez, allez. Allez. On y croit. Ah, j'en peux plus. Un 8 ou 5 étoiles. Un petit. C'est quel millésime ça? Le Mont Blanc il est juste en face. Mais bon, là il y a des nuages, on le verra pas aujourd'hui. Yes! Ah oui, 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 mais c'était. Elle, ce matin, quand je l'ai prise, je crois qu'elle était pas à fond. Tu sais qui vient avec moi après, alors toi, mais moi je viens avec toi. Ah, tu viens avec moi ouais. Ah, bah, allez. Merci en tout cas, sympa. Ouais. Belle journée, hein. Ouais, super. Okay. Rivry Saint-André, c'est tout plat. Merci. Merci. Bravo, hein. C'est magnifique. Hein. Bien joué. Bravo. Ouais, ça fait une super journée et encore attends. Une fois, avec des paysages magnifiques. T'as pas lâché? Non, eh ben non, hein. Ça c'est la. Jamais, hein. On lâche jamais, hein. Faut pas lâcher. Hein. Quand on passe des bons moments comme ça, c'est nickel quoi. Jour 3, réussi. Ah oui. On a pas fait de critères, les gars. Pas comparable. Hein. Tous les 4, hein. En ce qui me concerne, avec une machine qui marche, c'est que du plaisir. 4 ans de bike. Ça c'est une belle virée quand même. Ouais, là, c'est génial. Non, bah tu vois, encore une fois, Cédric m'avait dit que t'étais pas sympa. Je suis toujours pas d'accord avec lui. Non, bonne journée, ça a changé encore de paysage. Là, il y avait des bonnes odeurs de bouse de vache, c'était sympa. La gadou. La gadou. La gadou. C'est bon pour la peau, donc c'est bon. C'est pour ça qu'il vieillit pas. Un parcours très adapté. Hein, un parcours, oui. Ouais. Ouais. Il y a des passages où il n'y a absolument pas eu besoin d'assistance. Du tout. Les valides, franchement, ils servent à rien. Ouais. En plus, on les attend. On est obligé de les attendre. C'est pénible. On a bien profité. On a passé bon moment. On a fait bonne descente. Voilà. Et la montée, ça a été un peu compliqué, mais on a réussi. Voilà. C'est très cool. Voilà. Et j'espère que demain ça sera la même chose. Une belle journée pareil. Voilà. Et en plus, on a bien profité parce qu'on avait du soleil. Ouais, en plus, ça c'est magnifique. Ouais, ouais. Par rapport à hier, c'était et mieux. Merci. Mieux le temps. Pour tout. Ouais, pour que. Plus que. Il nous a poussé beaucoup. Voilà. Et le moins réparé aujourd'hui, Ignacio. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Je suis content. Hein. Ouais. C'est sûr. On a bricolé. Bon, c'est matin quand même, on a bricolé. Hein. Ouais, ce matin, ouais. C'est vrai. Quand même, ouais. Quand même. C'est jamais, hein. Parce... On a eu chaud tout de suite, mais là... Un peu de force. C'est pas bon le café. Hein. D'accord. J'aime pas le café, mais je me force. Mais bon, c'est vraiment pour voir le Mont Blanc, après. Nous, ça fait pas longtemps, hein, en France. Il y a quelques clubs dans les Alpes, et puis, ouais, c'est ça, ouais. L'association, c'est... Pilar en Dinature. C'est dans le Pilar, mais en fait, oui... De Lyon, on est un peu de partout. Quoi. On est anciens basketteurs, tous. On a joué ensemble. Donc, voilà. Ouais, basket fauteuil, c'est un peu l'origine du groupe. Quoi. Maintenant, on a des gens qui viennent d'ailleurs. Hein. Une chute en direct? Non. Bravo les gars! Ouais. Ouais. Quand même, hein. Ça monte un peu, hein. Ouais. Chaque fois que tu t'arrêtes, redémarrer. Yes. On l'a fait. Joli. Mais là. On s'en fout de la météo. Alors, un wheeling, hein. Voilà.
Youh. Au sommet. Ça y est. Je fais comme ça un peu. C'est le but, c'est le but. Ouais. Hein. Voilà. C'est le vélo qui est lourd, c'est pas moi. Et là, ah putain, j'ai le vertige moi par contre. Oh putain. Waouh. Simon. Au sommet. Ah ouais, au sommet, mais. Au sommet du Mont Blanc. Il y a une super vue sur le Mont Blanc, j'arrête de vous saouler avec. Mais on va attendre que ça se lève. C'est bon là. Qu'est-ce que t'as fait ? Oula. J'ai pas envie de parler. Parce que on était mouillés. Heureusement qu'on est là, on est ça va, à laver. Là maintenant ça va. Ouais, on est mieux. Mais par contre, malgré tout qu'on avait la pluie, on a bien profité. Voilà, c'est magnifique. C'est beau. Ouais, je veux bien prendre le rouge, hein, je m'en fous. Non, non, mais. Non. Moi je connais. Ben, parce que. Le check-up complet, c'est le pied qui part là. La roue, c'est vrai qu'elle touche le cadre, ça c'est peut-être juste un réglage. Le frein, il est voilé à mort. Ah, il est fini là, tout le monde. Ah ouais, finir. Finir. Non, mais tout à l'heure. S'il pleut pas, s'il pleut plus. J'étais en mode j'ai froid. Ouais, mais j'ai froid. Il y a un rayon de soleil. Et j'ai un avantage, c'est que le support de disque est pourri aussi, du coup il y a tout qui suit, tu sais. Et ça marche. On a recentré la roue, parce qu'elle frottait vraiment trop là. Bah oui, parce que là on voit, il n'y a pas assez d'éclat. Ouais. Et du coup... Et bah du coup ça a ramené... Ouais. Si, voilà, c'est quasiment à la main qu'il faut le ouais, mais tu peux pas le... Serre le frein, Jean-Mi. Il va jamais rester en place comme ça. Je sais pas, on va voir. Non, t'es sur l'élasticité du financier. C'est qu'il est tellement tordu les disques qui. Bah après, mais on va pas arriver à faire qu'il frotte pas. Il va toucher. Non, mais le disque il est pas tordu là. Non, il est défoncé. C'est le dernier jour, dernier après-midi. Ouais. C'est la. C'est la fin. Le soleil après une bonne radée ce matin. Ah, c'est ça va être le pied. Le pied. Comment ils l'ont passé? Sanji, on y va. Non, j'ai fait la sieste. Oh. Non, mais c'est pas... On n'arrive pas à le lever. C'est chaud. Allez, un, deux, trois. C'est un gros truc. Tu nous fais ça là. Merci. C'est le dévers, mais là, mais c'est la fatigue. C'est... Sur ta billette. Ah putain. Ouais, là on prend à droite sur. Hein. Ah bah de toute façon, on va. Bon aïeux. Une fois que t'as passé. On l'a pas filmé, hein. Voilà, c'est fini. Allez, vas-y. On passe à gauche, hein. À gauche. Allez, là, une. Calme pas au milieu, hein. Allez, vas-y. Allez, mets la gomme. Un kilomètre sans batterie, ouais, bonne gestion. Il fallait pas plus. On a failli être moins nombreux vu le temps de ce matin. Ah ouais, c'est pour ça vous, hein. Quand ça pue pendant une heure là. C'est pas assez fier. Bah là donc à chaud arrivé au bout des 4 jours. 4 jours sur le Grand Tour des Monts du Lyonnais.
donc avec deux associations, Pile Handi Nature et Mon Vélo Solidaire, qui se sont retrouvés pour ce super projet. Une idée de Geoffrey qui nous a proposé ça, et une super expérience. Super expérience pour de partage d'abord avec tous les accompagnants et puis les personnes en situation de handicap qui ont pu découvrir vraiment une nouvelle activité et dans des conditions différentes. C'est-à-dire que là on a pu vraiment voir les limites de notre pratique, le handbike tout terrain, et grâce aux accompagnants, vraiment tester des conditions nouvelles pour nous sur cette pratique-là, vraiment aller au maximum, y compris au niveau du matériel, puisqu'on a eu quand même pas mal de soucis mécaniques, mais voilà, on a vu un petit peu les limites de notre pratique et puis les plaisirs qu'on peut avoir vraiment dans le partage avec tous, quoi. Ça, nous, on le savait. Donc avec l'association Pile Handi Nature, on connaît cette pratique-là, on connaît les contraintes qui sont liées à la pratique des activités de pleine nature pour nous, c'est-à-dire l'accessibilité. L'accessibilité, c'est les parkings, proximité, les sanitaires, les choses assez basiques mais qui sont essentielles. Et après, sur les parcours même, effectivement, ce qui est balisage et puis après même les petits aménagements nécessaires pour une pratique, on va dire, plus régulière. Voilà. Là, on a dépassé cette pratique régulière pour aller vraiment un petit peu dans l'extrême, dépasser les limites encore, pour vraiment voir jusqu'où on peut aller. Et dans une ambiance incroyable, quoi. Vraiment, moi, c'est ce que je retiens. Vraiment, tout le monde, je pense, en retirera quelque chose. Et nous, ça va pas relancer, parce que l'association, elle a qu'un an, elle a une belle dynamique, mais ça va nous amener plus loin. Donc ça, c'est assez génial, quoi. Il y a pas mal d'élus aussi, des collectivités, des élus qui ont été sensibilisés aussi à notre pratique. Le réseau de Geoffrey, Mon Vélo Solidaire, a bien fonctionné et les élus ont suivi, ont été présents. Donc voilà, ils nous accompagnent aussi sur ces nouvelles pratiques. À refaire, à re-refaire et puis... Il n'y a pas les garde-boue. Donc quand il pleut, l'eau elle remonte et elle te touche derrière les oreilles comme ça.